Et salut, aujourd'hui direction Thème avec Nico et Yann tout devant, Seb et Jean-Pierre juste devant moi. Là tout de suite on va aller chercher la Maxi Gilou, une des plus belles descentes qu'il y a sur Thème. Allez, on se retrouve juste en haut. Allez, on est parti sur la Maxi Gilou et ça va glisser. Ça, c'est le virage à la con, celui-là. Après, t'en as un autre, Jean-Pierre, qui est vraiment à la con. Fais attention. Ouais, ça a l'air bien gras aujourd'hui. Mets de l'espace un peu. Ouais, ouais, surtout là. Là, ça glisse. Fais gaffe. Oh l'enculé! Allez, on bascule! Allez, le plus dur est fait! Allez, monte bien le genou! Il n'ira pas plus vite aujourd'hui! Waouh, c'est tellement gras. Ah ouais, c'est ultra gras. Oh. Bon, d'accord. Comme tout bon sudiste, j'abuse peut-être un peu. N'empêche que mes pneus sont bien bourrés. J'ai les pneus, ils sont bourrés, là. Et le grip est quasi inexistant. Les appuis un peu. Oh. Ouf. Oh. Je suis tanké, dit. On arrive en bas de la Maxi Gilou après nous être battus avec nos vélos et on va aller découvrir une petite dry bonus qui a été ouverte récemment. Tout ça pour sublimer un peu plus notre tour du dimanche. Ouais. Ça fait plaisir là les sangliers. Sympa ce petit passage, cette petite variante. Ce que je savais pas à ce moment, c'est que pour cette petite variante, on a dû se taper deux pétards pour aller récupérer la Tazi Express ensuite. Mais bon, ça fait les guiboles. Et puis ça fait quand même du bien. Allez, ça part de là, la Tazi Express. Tazi Express est une petite dry qui est plutôt flow, un petit peu cassée par endroits, bien rapide et qui descend vers le village de Sainte-Anastasie. Mais aujourd'hui, on fera attention. Comme vous avez vu, le terrain est quand même pas mal mouillé depuis le début. Un peu grasse. On va essayer de ne pas se tuer. Mine de rien, je glisse quand même. Au con. Wouah ! T'es tombé ? Ah, Jean-Pierre, il a perdu l'avant, il a fait se tuer. Et il n'est pas tombé. Oula ! Quand on fera des temps, hein. On a fait la Blackjack que j'ai pas filmée.
la Maxi Gilou plus un petit bonus, la Tazi Express. Là on est dans une liaison qui remonte à Thème et on va aller se faire la G-Line. Allez, on se retrouve au départ de la G-Line, à tout de suite. Allez, la G-Line, première fois avec celui-là, le vélo. Bien le genou. Hop. Hop. Passe. Là, si vous avez été fin observateur, vous avez dû entendre le bruit. Oh non, j'ai crevé là contre sa mère. En parlant de vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et tout de suite après. Oh. Oh. C'est ici la Gay Pride. Ouais, oh là là, je me suis jippé. Ouais. Allez, on est reparti. J'ai cassé un rayon. Dédicace à Stéphane. Me voilà passé en chambre à air, ma roue étant réparée. On finit la G-Line au flot, tranquille sans faire les sauts. On ne fait pas le saut, évidemment. Puisqu'on parle de roue, je vous invite à aller voir la chaîne d'Emeric, la chaîne Beam Me Up si vous ne connaissez pas, vous avez le lien en description. Il fait vraiment des vidéos qualitatives et c'est pas pour nous lécher le cul, c'est vrai. Mais en plus de ça, voilà, il a annoncé. Sauts, à 1000 abonnés, il se ferait le maillot. Ça m'a coûté de pas les faire. Alors les gars, je compte sur vous pour aller vous abonner en masse. Allez, après cette petite aparté, on part sur la petite biscuit. Une drive qui est très flow, qui malheureusement a morflé après une coupe de bois, mais au fur et à mesure du temps, on la récupère pour notre plus grand bonheur. Génial avec cette descente, c'est qu'une fois en bas, pour remonter sur le départ de descente, ça prend vraiment très peu de temps. Donc c'est vraiment la petite descente en plus plaisir. On fait toujours volontiers avec le sourire. En plus, elle se termine avec un super saut qui est super bien chapé. Peu importe le niveau. C'est sans risque. Pour finir en beauté, on part sur la Rolling Stone. Merci. Bonjour, merci. Vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez déjà dû voir cette descente, mais elle n'en reste pas moins appréciable, au contraire. Et puis en plus aujourd'hui on l'a fait découvrir à Jean-Pierre et à Seb, et même à Yann. Ah, ça rase. Donc la Rolling Stone, c'est une drive plutôt rapide quand elle est sèche, pleine de flow, sans trop de difficultés. D'ailleurs, je pense qu'elle est accessible à tout niveau. Il n'y a pas de réel danger. Il n'y a pas vraiment de piège. Juste du plaisir. Si vous êtes débutant, ne la faites quand même pas un lendemain de pluie. Oh, attention, hein. Ça serait dommage de se faire mal ici. Oh là là. Comme ça glisse.
Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de passer sur la chaîne d'Emeric. Ce sera le roux le plus heureux de France. À bientôt.